Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Planet Zoo. Alors, depuis la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les lions. Je crois bien que je les avais pas mis hein, dans le dernier épisode. Donc j'ai un peu mis des pierres, j'ai un peu aménagé cette zone. J'ai fait une délimitation ici. Je leur ai mis de l'eau autour pour pas qu'ils puissent s'échapper. Je leur ai fait une petite grotte ici pour qu'ils soient bien. Du coup, j'ai acheté un mâle et une femelle. Voilà. Clac, on va juste faire ça pour gagner un peu d'argent. Voilà. Clac. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Oui, j'ai fait un petit accès par ici, là. Avec des petites maisons pour rester dans le thème. Voilà, voilà. J'ai mis le panneau du lion. Il faut que je rajoute. Voilà. Infrastructure de traitement de l'eau inaccessible. Ah oui, effectivement. Ouais, c'est vrai que j'avais bougé ça l'autre soir. L'autre jour. Hop. Hop. C'est celui-là. Ça marche pas là. Oh. Oh, c'est pénible ça. Ah mince, je me suis mis à 10. Ah, c'est pénible ces trucs. Voilà. Non, mais non. Voilà. Hop, de toute façon, ça, à terme, ça va bouger. Tiens, une recherche vétérinaire terminée. Hop, les bûches sont finies. Donc, du coup, maintenant, on va pouvoir affecter le veto au lion d'Afrique. Voilà. Donc je disais, on va mettre un petit peu de. Il faudra que je fasse de mettre des pierres là. Moi j'aime vraiment pas. J'aime vraiment pas ces trucs-là là. Ouais, c'est vraiment pas terrible là. Faudra que je mette des pierres. Faudra que j'ajoute des pierres là. On verra ça plus tard. J'y ferai hors vidéo. Ça fait vraiment pas joli, je trouve. J'ai mis de l'eau agitée là, non, non. En tout cas, voilà mes lions, ils sont ici. Donc, on va mettre un petit panneau. On va mettre un petit panneau d'information. Il faut que je le retrouve. C'est celui-ci, hop, que je mets un peu partout. Alors, on va le mettre un peu plus central. On va le mettre par ici. Paf. Là, hop, on met le. Ah tiens, chose que je fais jamais, c'est de mettre celui-là en lion d'Afrique. Hop. Parce que là, on peut carrément augmenter la zone. Voilà. Faut que je vérifie ça d'ailleurs. Ce truc-là. J'ai mis le lion là, hein, je suis pas sûr. Pas d'électricité. Ah mince. Zut. Zut, zut, zut. Oh. Ben on va le mettre plus par là. Parce que pour le moment, j'ai pas envie de développer d'autres trucs électriques par là. Je sais pas trop où ça va me mener. Alors attendez, hop, hop. Non, c'est pas la pose que je voulais mettre. C'est enlever ça. On va prendre tout ça. On va le déplacer par ici. Clac, voilà. Et on va même le reprendre. Clac, on va faire CTRL D. Et on va en mettre un de ce côté-ci. Non, ça. Voilà, j'ai l'électricité de partout, donc ça va aller. Hop. On va le mettre plutôt par là. Hop. On va pas le mettre ici. On va le mettre plutôt par. Ah, y a pas d'électricité non plus, c'est pas possible. Ah non, pardon. Ah si, c'est bon. J'ai peur que ça fasse des attroupements sinon devant ce panneau et ce panneau-là.
On va mettre ça comme ça. Clac. Voilà. Voilà. Là, c'est toujours configuré avec les lions, ça. Oui. Parfait. Par contre, attention. Ouais, voilà. On est bon. Faut que j'en vérifie certains. Parce que je suis pas sûr de partout avoir mis les haut-parleurs comme il faut. Genre, je sais qu'il y en a un là. Voilà. Donc là, j'ai mis hypotrag. Donc là, on va mettre les hypotrag. Hop. Ah, d'ailleurs, il faudrait que j'en rajoute pour les buffles. Puisque maintenant, j'ai mis des buffles là-dedans. Hop. J'ai mis les gnous ici. Là, j'ai les springbok. Là, j'ai les hippotrac que j'ai déjà là-bas, mais c'est pas trop grave. Et là, j'ai encore les gnous. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là-bas, on va mettre les buffles. Parce que j'ai l'impression que mes buffles, ils aiment bien venir par là. Hop, les buffles. Je crois qu'il y a un haut-parleur sur ce truc-là, ouais, voilà. Buffle. Voilà, très bien. Il y a vraiment beaucoup de monde ici. J'ai l'impression qu'en fait, ce qui les stresse, moi, c'est cette zone-là, là. Ils viennent se mettre ici, et ça donne vraiment juste sur le... sur l'enclos, alors que là, ça a l'air de moins gêner. J'espère que quand j'aurai mon chemin, là, qui va faire un peu le tour, ça fera moins d'attroupement dans cette zone-là. On verra. Ils sont où? C'est vrai qu'ils sont souvent par ici quand ils sont stressés. Donc je pense que c'est mon pont là qui est trop bas, mais bon, je peux pas y faire grand-chose. Là, faudrait que je cache un peu sinon. Ici là. Tchouk tchouk. Là, je vais y planquer là. On fera ça une prochaine fois, je pense, parce que là. Ouais, remarque, on peut faire un peu de déco là. Allez, hop, contrôle D. Tchac. Ça, on met là. Hop. Hop là. Clac. Pouf. Non. Voilà. Là, ça les masquera. Des petits parcours sanguinis qui étaient, mince, c'est pas grave. Hop, recherche vétérinaire, parfait, continue. Recherche mécanique, ah ça c'est bien, faut que j'avance vraiment. Stand de boisson, hop. Ce que j'aimerais bien avancer, c'est après sur les locomotives là. Je vais voir ce qu'il y a comme... J'aimerais bien tout débloquer pour faire un... les locaux aussi. Ah, les locaux seraient pas mal. Ce serait pas mal les locaux. L'électricité, c'est bon. Les habitats. Habitat, c'est quoi ça? Des plans. Plans niveau 1, plans niveau 2, plans niveau 3. C'est des habitats tout faits. On verra. On essaiera. Je pense que je vais déplacer lui là. Par ici. Hop, et je vais dupliquer ça. Là. On va le tourner un peu pour que ce soit pas trop identique. Hop. Paf. Voilà. Comme ça, c'est pas trop mal, je pense. Est-ce que... Je dupliquerai... je crois que j'ai mis le même là, non? On dirait bien. Faudra que je gère la lumière aussi.
un peu mieux. Je sais que j'avais fait un peu le tour par ici pour les lumières. J'en avais mis par là, j'en avais mis par ici un peu. Il faudra que je fasse un peu partout. Ok, bon, très bien. Là, il faudra rajouter des lumières par exemple sur ce pont. Par ici, là. Je sais pas si c'est possible par la remarque. C'est peut-être pas possible. Là, il faudra que je rajoute des lumières, des plantes un peu là ici. On verra ça plus tard. Animaux stressés. Problème dans l'habitat. C'est pénible ça. Je peux pas y déplier ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Trois alertes sur les Springbok. Juste trois, bah, ça va. C'est trois animaux qui m'ont déclenché 11 alertes. Nos girafes, elles sont bien parce qu'elles avaient fait des petits et on les avait vendues. Oh, c'est marrant comme elle dort. Oh, c'est marrant. C'est rigolo. Ok, donc maintenant, le truc qu'il va falloir faire aussi, c'est faire rejoindre là pour les girafes. Mais j'y ferai peut-être après parce qu'en fait, j'ai pensé à un truc. Sûrement que je vais faire ici une zone pour les éléphants, à mon avis. J'aimerais bien en tout cas. Éléphant ou rhinocéros, s'il y a, je sais pas. Habitat vivarium. 13 loups noirs. Ouais, bah. Ah, ils se battent? Oh, pourquoi ils se battent? Il y a des problèmes avec les gnous? Pourquoi ils se battent? Ah, il y a un mâle alpha aussi avec les gnous. Pourtant, il me semblait pas. Alors, les animaux. Oh là, à chaque fois, les escargots, j'y regarde pas pendant un moment. Et boum, 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 vas-y. Ça en fait plein. Alors là, on va faire tout cela d'escargots. Ceux qui ont pas de médaille d'or. Hop. On va garder une femelle qui est jeune. Et ça c'est bien. Hop, envoyer au centre d'échange. Ça, on verra pour y envoyer plus tard. Et ensuite, les gnous en transit. Pourquoi en transit? Ah, c'était peut-être un qui était malade. Ah oui, voilà, mâle alpha. Et oui, donc là, il y en a un qui a grandi. Donc lui, on va le vendre. On va le renvoyer dans la nature. Paf. Non, annulé. C'est pas ça que je voulais faire. C'était pas un mâle, je me suis trompé. L'huile. Relâcher la nature. Voilà. Ça me rapporte rien, cela. Ok. Donc là, on est bon. Et les hippotrags, il n'y a pas de mâle encore. Très bien. Les springbok. Ça se passe bien. J'ai un autre doré, là, qui est toujours pas mal alpha. Il est où? J'en avais un autre hein, qui était doré, un mâle, ouais. Ouais, il est là. Ah, lui, c'est bien, on va pouvoir le garder, du coup. La consanguinité, là, j'y regarde même plus. Ah, c'est pareil, les vipères, j'en ai plein. Paf, paf, paf. Regardez juste un mâle et une femelle. Oh, mon mâle, il a 10 ans. Il est adulte, il est pas encore vieux. Hein. Donc, on va y déplacer au champ d'échange, voilà. Donc là, on a tout ça au centre d'échange. On peut tout sélectionner et faire échange rapide, cela, parce qu'on peut pas les renvoyer dans la nature. Voilà. Donc ça, ça c'est fait. Hop, ça on va le faire. Clac. Voilà, ça me rapporte 20. Ça me rapporte plus de faire ça que de vendre des animaux. À certains animaux. Ok. Ce qu'il va falloir gérer. Ah oui, c'est ça que je voulais faire dans cette vidéo. Ce qu'il va falloir gérer, c'est les zones de travail. Alors je vais mettre pause quand même. Donc dans notre zoo, on peut définir, je ne sais plus comment d'ailleurs, des zones de travail, zones de quarantaine. Ok. Pour le personnel. On peut définir des zones de travail. Donc,
On va créer des zones de travail. Donc là, on va faire. Une zone ici avec ça. Alors attention, on va avoir ces deux habitats. Voilà. Donc là, moi je vais prendre ça, je veux prendre ça, je veux prendre ça. Ok. Et ensuite, ça c'est un magasin, ça c'est un magasin. Non, ça c'est toilettes. On va prendre ces toilettes. On va prendre ces toilettes aussi. On va prendre les distributeurs de billets ici. Bon, en fait, on va prendre tout ce qui est là. Hein. On va pas s'embêter. Clac, clac, clac. Et là, on a d'autres restos. Ouais. C'est surtout pour les soigneurs, en fait. Ok, là, on fera une autre zone de travail. Ok, donc ça on va la dire que c'est la. On peut la renommer normalement. Choisissez une zone de travail existante ou créez-en une. Pas de salle du personnel dans la zone de travail. Ah, mais il faut une salle de personnel par zone de travail. Oh. C'est quoi la zone du personnel? Ah oui, il va y avoir ça aussi. C'est quoi ça? C'est une salle du personnel. Ok, bah voilà, très bien. J'en ai une là. Ok. Bon, on va en mettre deux même parce que là, ça va être une grosse zone. Hein. Là, c'est une grosse zone de travail. Hein. On va en mettre deux. On va mettre ces trucs de l'entrée aussi. Ok. Donc là, dans cette zone de travail, normalement, on peut les renommer, non? Plus. On va l'appeler on va l'appeler savane, non? Ouais, si, savane. Savane entrée. Ok. Ok. Donc là, entrée. Boum. Savane entrée. Zone de travail 1. Savane entrée. Ah mais non, moi je voulais renommer celle-ci. Merde. Je peux les renommer là? Je peux pas les renommer une fois? Ah si, c'est là. Voilà. Alors ça va d'entrée, non, ça on va la renommer. On va la renommer celle-ci. Lion-girafe. Merde, sur quoi j'ai cliqué? Oh putain. Zoo, personnel, zone de travail. Alors, elle, ça va être savane. Savane centre. Hop. Elle, ça va être savane entrée. Ok. Très bien. Alors, ensuite, on peut définir des zones de travail par personnel. Donc, on va avoir informateur dans la savane entrée, ça devrait suffire. Charge de travail élevée, ah bon? On va prendre un autre formateur alors. Clac. On va prendre deux formateurs pour la zone de savane entrée. Ok. Donc ça c'est bon. Ensuite, des agents d'entretien. D'ailleurs, on va leur faire passer des formations aux gens. Hein. C'est bien qu'ils montent un peu. Les vendeurs, pouf, pouf, pouf. Trois vendeurs vont les informations. Ouais, même un peu plus, hein. 4, 5, 6. Allez, on va en faire pas mal. 7, hop. Les vétérinaires en envoyer information. Voilà. Donc, on va avoir. Deux formateurs pour la zone savane entrée, ça suffit, je pense. Ça devrait suffire maintenant. Agent d'entretien. Eh ben, on va en mettre trois. Trois agents d'entretien pour cette zone, ouais, même quatre. Hein. Quatre, c'est pas mal, hein. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses. Ok.
Eux, on va pas leur donner de zone de travail pour le moment. Les soigneurs, alors, les soigneurs, du coup, je vais en mettre au moins 3, je pense. Parce que il y a l'enclos qui est immense. Il y a l'enclos qui est vraiment grand. Et du coup, il y a vraiment besoin de beaucoup de soigneurs. Et il y a les deux vivariums ici. Donc je pense que je vais avoir besoin de tout ça. Je vais bien avoir besoin de ça. Ouais. Ok. Ouais. Ensuite, les mécaniciens. J'ai mis quoi dans ma zone? Ça va d'entrée. Mécanicien. Bah si, il m'en faut au moins un. Puisque tous ces trucs-là, on va les gérer par... Pourquoi je peux mettre ça dans la zone? J'ai pas besoin de ces trucs-là dans les zones. Faudra juste qu'ils réparent ça dans la zone 2. On verra après. Ça, est-ce qu'on y mettrait pas dans la zone 1? Ouais. Voilà. Pour le moment. Donc, les personnels, on a dit un mécanicien ou deux? Un, ça devrait suffire. J'en ai quatre. Un, ça devrait suffire. Ah, mais on va pas mettre lui du coup. On va mettre celui-là. Pareil, le vétérinaire, faut que je fasse gaffe. Agent de sécurité. On va en mettre deux, je pense. Hop. Et du coup, on va reprendre un agent de sécurité même. Hop. Voilà. Soigneur, agent de sécurité, j'en étais. Alors, les vendeurs. Combien j'ai de... De trucs de vente. Boutique. Personnel en mec sans affectation. Attends. Ah mais ça c'est les personnels qui sont dedans. Elle travaille où? Ah ok, elle est là. C'est celle que j'ai recrutée. Fantastique, recherche vétérinaire terminée. Ah c'est cool, ça va vite les lions. Hop, ah oui j'ai une maladie active. Bon ça va, j'ai la recherche à fond. Donc ensuite on continue l'affectation des employés. Les vendeurs, alors attendez, les vendeurs j'ai dit. J'ai mis tout ça, hein. Est-ce que j'ai mis tout ça là-dedans? Je sais plus. Zone de travail, modifié. Oui, j'ai tout mis dedans. Donc les vendeurs, il va m'en falloir 3, 6, 7, 7 ici, 8, 9. J'ai peut-être pas besoin de 2 là comme ça, si. Ouais. Alors, j'ai dit combien? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Au moins 11. Waouh, il y a trop de monde. Ouais. Au moins 11. Bah là, il y a des vendeurs de soda, non? Ok, la soif, ça y va. Il m'en faut au moins 11. Je dirais même qu'il m'en faut... Là, il n'y a pas de vendeur, comment ça se fait? Je dirais même qu'il m'en faut genre 15 pour gérer les pauses et tout ça. À mon avis. Donc on va dire 15. 15 vendeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16.
16, ça fait 5 de marge. Je pense que c'est pas mal. Hop, on peut en envoyer en formation du coup. Ok, ensuite les vendeurs, c'est bon. Les vétérinaires. Vétérinaire 1, ça devrait suffire. Hein. Je pense que 1, ça devrait suffire. À mon avis, un vétérinaire, ça suffit là pour cette zone-là. Ok, ensuite, donc la zone 2. Zone de travail, savane centre, modifier la zone de travail. On va mettre ça et ça. On va mettre ça. Clac. On va mettre du coup cette zone là. Ça c'en est une ou pas? C'est quoi ça? C'est que j'ai une salle du personnel là-haut, je crois. Ouais, ça c'en est une. Ça c'en est une. Ok. Et ben pour eux, on va mettre la salle du haut là. Comme ça ils pourront regarder en même temps qu'ils sont en pause. Ok, et on va mettre ces deux trucs là. Voilà, comme ça ils pourront réparer ça. Ok, donc là j'ai pas grand chose. Peut-être qu'il va falloir faire une zone ici de vente de boissons, tout ça. Pareil, peut-être qu'on mettra des distributeurs par ici ou par là. Là ce serait pas mal d'avoir un petit distributeur. Ah mais non, j'ai des magasins là. Ah oui, j'ai ces emplacements de magasins que j'ai pas mis là. Et oui, tout à fait. Là, on peut faire ça tout de suite d'ailleurs. Service. Hop, visiteur. On va mettre un truc de boisson. Genre... j'en ai plein maintenant. Des jus. Hop. Clac. Alors attendez, X, voilà. Qu'est-ce qui gêne là? Ok, je suis pas du tout dedans. Je suis pas du tout droit. Ça a l'air pas mal là. En termes de hauteur, je sais pas comment faut que je me mette. Je sais pas du tout. J'ai le comptoir là, on va le mettre comme ça. Ok. Voilà, donc on a un truc de jus ici. On va mettre un truc de nourriture. J'ai l'impression qu'ils consomment beaucoup plus de boissons que de nourriture. Hein, parce que si on regarde là-bas, là-bas il y a beaucoup la queue aux boissons. Ah, pas à tous, hein. Nourriture un petit peu. Pas à tous, hein. Les boissons ils ont l'air de bien aimer les sodas. Hein. Ça c'est quoi les Gulpy Slush? Ouais, ça c'est particulier quand même. Les sodas ça a l'air d'y aller. L'eau, bah l'eau c'est fermé, mais. Ah, on va remettre un Gulpy Soda alors. J'ai mis quoi là? Un jus et on va mettre un truc de bouffe, on a dit. Donc, mais c'est où? Non, c'est pas là. Putain, je suis perdu, ça y est. Je suis fatigué. Je suis perdu. Service. Pff. Voilà. Y a plein de trucs que je peux mettre encore. Alors, chief beef. Ice cream. On va peut-être pas mettre des ice cream. Hot dog. Pizza, Monsieur Frites, Missy Good, Maxellente. C'est quoi la différence? On sait pas. Missy Good, allez, on va mettre un Missy Good. Hop. Hop là. Par contre, que je puisse le mettre, pourquoi je peux pas le mettre? Oh là là, là j'ai le. Oh punaise, j'ai pas fait attention. Eh oui! À mon avis, ce qui gêne, c'est ça. C'est la clôture là.
Voilà. Modifier la clôture. Ouais, à mon avis, c'est la clôture qui gêne. Oula! Annulé. Ah non, ça a enlevé le. Voilà. Donc, attendez. Je prends la clôture. Là. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces trois là déjà. On va les déplacer par ici. On va prendre celui-là juste. On va mettre ici, on va prendre celui-là juste qu'on va mettre là. Voilà. Normalement comme ça devrait pas trop poser de problème. Voilà, celui-là on va le mettre ici. Celui-là on va le mettre ici. Et on devrait être pas mal du coup. Ok, donc service. On a dit un Missy Good. Hop, tchouk tchouk tchouk. Faut que j'arrive à le mettre parce que si j'arrive pas à le mettre, on est mal. Pourquoi j'arrive pas à le mettre là comme ça? Échec de la modification du terrain. Oh! C'est pas possible. C'est pas possible. Attends. Alors, ça, non. C'est ça que je voulais enlever pour le moment. Non! Non! Celui-là. Voilà. C'est peut-être celui-là qui gêne. C'est peut-être celui-ci qui gêne. Là. X. Je peux le déplacer, ça. Sélectionner le groupe. Modifier. X. X. Allô? Pourquoi je peux pas le déplacer ce machin? Non. X. Déplacement complexe. Voilà. Ah non, c'est pas ça que je voulais déplacer moi. C'était ça. Ah, je peux plus le déplacer maintenant. Pff, quelle horreur. Quelle horreur. Supprimer. Alors. Oula, d'ailleurs, il y a des trucs qui volent là. Il y a des trucs qui volent. On pourra même tout prendre. Voilà. Là aussi, on a des pots qui volent. J'aime beaucoup les musiques de ce jeu, ça détend. Hop. Voilà. Ok. Je me trompe tout le temps avec les trucs. Ok. Donc, là, on va recommencer. Service. Missy Good. Je vais pas arriver à le poser là, hein, j'ai l'impression. Le sol va pas me laisser le faire. C'est pas possible. Pourquoi? Je sais pourquoi. Je pense que c'est ça qui m'empêche de le faire. Essayer comme ça.
Oh là, mais c'est pas possible. Je peux arriver à poser ce magasin là, cette foutue boutique. Ah, si. Voilà. Comme ça, ça passe. Ok. Missy Good, c'est bon. Quitter. Quitter. Ensuite, on va mettre. On a dit une boisson. Une boisson. J'avais mis quoi déjà? Un Peep Shot Juice. Peep Shot Juice. Oula. Un petit peu trop près là, non? Hop là. Ok, le pitch up juice il est comme ça. Voilà, là on est bon. Ok. Et enfin ici, on va mettre un gulpi soda. On va quitter par contre. Hop, voilà. Chouk, gulpi soda. Ça a l'air d'avoir du succès. Chose qui ne m'étonne qu'à moitié. Oh non. Ça marche pas. Modification de terrain encore. C'est sûrement encore à cause de... Non. À cause de quoi c'est? Je ne sais pas cette fois. Eh bien écoutez, s'il faut le monter un petit peu, on va le monter un tout petit poil, voilà. Ouais. On va le monter un tout petit poil, voilà. Et on va se centrer à peu près, voilà. Ce sera bon, pareil, ok. Donc là on a trois boutiques en plus qu'on va pouvoir mettre dans notre zone de travail ici. Ok, voilà. Donc du coup ici j'ai trois magasins, donc j'aurai besoin de, on va dire, 6 vendeurs. Ça suffit largement, 5 même ça suffirait peut-être. Du coup, ah oui, il me faudra des formateurs, il faudra que je mette des zones de... On va pouvoir mettre ça tout de suite même d'ailleurs. On y fera plus tard. On va recruter le personnel. Maintenant, salle du personnel. Ah c'est bien, on peut les voir. Capacité se repose en formation. Demande faible, efficace. Bonus. Ah on peut donner des bonus. Les employés sont moins facilement débordés. Les employés qui bénéficient de ce bonus voient leur satisfaction augmenter plus rapidement. Se reposer dans la salle du personnel permet aux employés d'en apprendre plus sur leur travail et de raccourcir le délai avant leur prochaine formation. Je mettrais plutôt ça, moi, par défaut. Ouais, je mettrais plutôt santé, moi, par défaut. Ça me paraît mieux comme truc. Pas de salle du personnel, il y a de la place. Comment ça? Ah, mais d'accord. C'est vraiment pour certains du coup, c'est pas pour tous. Ah, mince. D'accord, j'avais pas compris ça. J'avais pas compris ça. Ça les a mis dehors du coup. Ça les a foutus dehors, les pauvres. Oh, maladie. Ah oui, il est en train d'aller soigner. Ok, tac, tac, tac. Un lion, qu'est-ce qui se passe, le lion? Un animal s'est échappé. Ah oui, mais c'est normal. Ok. Alors, attendez. C'est parce que j'ai pas remis... Non, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Parce que là, j'ai pas remis ça. Hop.
On va le déplacer par là. Voilà. Tac. Voilà. Ça ne peut pas s'échapper. Voilà. Très bien. Alors, tac, 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 tac. Ok, ils sont pas trop stressés, là ça se passe bien. On a dit, du coup... pour les girafes, j'ai abandonné l'idée de faire une espèce de cabane dans un baobab. J'en avais parlé à un moment. Vu que j'ai mis ce truc là où ils peuvent venir en haut là-bas, j'ai un peu abandonné cette idée. Je la reprendrai peut-être pour un autre truc. On verra. C'est quoi ça? Ah, ils ont laissé la place ici pour mettre une banderole ou un truc. Si par exemple je veux rajouter décor, forme artistique. Il n'y a pas les pièces maîtresses, non. Ah, c'est quoi ça? Recherche mécanique terminée. Voilà. Ah, ils ont fini. Alors, du coup, on va prendre les salles du personnel. Ça, c'est ce que j'ai besoin. On va mettre pause. Il y a beaucoup trop de choses à faire en même temps. Parce que j'aimerais finir ce truc-là quand même. Décor, non. Pièce maîtresse. Non. Enseigne, ah voilà. C'est ça. On pourra peut-être s'amuser à faire des trucs sympathiques après. Il n'y a pas les enseignes standards des trucs. Ouais, voilà. Chief Beef. Gulpy Energy. Gulpy Sludge. Gulpy Soda. Ah, il est sur la surface. C'est un peu gros ça. Gulpy. C'est Gulpy Soda ça. Gulpy Soda. Ouais. Ta-ta-ta. Gulpy Soda. Boum. Voilà. Les vendeurs de, de chapeaux, on n'a pas encore débloqué ça si. Just a momento. Je sais pas ce que c'est ça. Lumineuse. Ah, c'est cool. Ah, j'aurais pu mettre ça comme ça. Putain. Ouais, bof, pas terrible. Ok. Gulpy Soda. Ancienne Mexcellente. Il y a les frites. Il y a les donuts. J'ai mis quoi d'ailleurs là? Ah voilà, les juice. Juice. C'est un peu gros. On peut pas réduire la taille d'ailleurs, si? Non. Si, non, non, je crois pas. Ah oui, il y a ces trucs là, on s'en fout. Peep shot juice. Piou. Voilà. Et là, c'est quoi qu'on a mis? Ah, c'est celui-là. C'est... Non, le miss, je sais pas quoi, là. Oh, y a plein de choses, quoi. Après, pour s'éclater, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Miss machin. Missy good donuts. Ah, c'est des donuts. Ah, mince. Je sais pas que c'était des donuts. J'aurais pas pris si j'avais su que c'était des donuts. C'est pas grave. Hop, voilà. Hop, j'aurais préféré que ce soit un truc de vraie bouffe, quoi. C'est pas grave, on remettra peut-être un distributeur automatique de viande. Je sais que ça existe. Bon, on va finir peut-être la zone 2 pour le personnel, zone de travail. Donc là, celle-là, on a dit il y a tout ça, donc on est bon. Pour tout ça, c'est bon, ça suffit une salle du personnel, je pense.
Ok. Donc maintenant, qui c'est qu'on va affecter à cette zone-là? Ah oui, on avait dit qu'on mettrait un autre formateur par là. Pouf. Chuck. Donc celle-ci, la nouvelle. Paf. Dans la savane centre. Agent d'entretien. Bah, les deux qui restent, ils vont aller à savane centre. Voilà. Les soigneurs. Deux, ça devrait suffire. Il y a deux enclos. Un mécanicien, ça devrait suffire aussi. C'est lequel qui fait des recherches? Je ne sais pas. Ça va être celui-là, de toute façon. Savane centre. Ah, il faudra penser à augmenter le salaire de. Ben, ça doit se faire automatiquement. Oula, je commence à fatiguer, excusez-moi. Oui, d'ailleurs, ça fait 45 minutes que je tourne. On va finir ça et on va s'arrêter. Savane centre, ça devrait suffire. Agent de sécurité 1, là, ça devrait suffire, je pense. Ouais. Ouais, c'est une plus petite zone quand même. Vendeur. Alors, vendeur, j'ai trois boutiques, on a dit. Trois boutiques et. Affecter le vendeur à la boutique. Ah, ça, c'est pas mal. Comme ça, on en a. Ouais, bon, il se débrouille, hein. Vaut mieux qu'il se débrouille. Alors, lui. Lui, on va le mettre au centre. Donc il m'en faut au moins 3 déjà. Hop. Et on va dire 4, 5. Pour les remplacer quand ils sont en pause. Ça devrait largement suffire. Et un vétérinaire pour cette zone-ci. Pareil. Celui-là. Zone centre. C'est quoi ça? Bonus de la salle du personnel amical. J'ai pas compris ces bonus, mais bon. Ok, donc voilà, on a défini nos zones et on a affecté nos ouvriers un peu partout. Alors maintenant, ici, je voulais mettre un truc de nourrissage là. Je sais pas si on va pouvoir là, ça fait loin quand même, non? Ils vont pas pouvoir leur balancer de la bouffe au lion là, si. Ce sera mieux quand même quand j'aurai mis des cailloux là, parce que là ça fait vraiment dégueulasse. C'est pas mal, mais en même temps c'est pas ouf quoi, et ça fait des angles bizarres, ça fait des ombres un peu chelou. Si je mets des vrais cailloux, ce serait quand même plus joli. Je pourrais laisser des endroits comme ça un peu où il y aura un peu les deux quoi, la terre. Ouais. Alors, du coup, on a dit. On va ajouter un autre service. J'ai des toilettes là. Ouais, j'ai des toilettes ici. Ça fait pas beaucoup quand même. On verra. Souvenir. Pour faire des trucs de souvenir aussi. Ah ouais, les bancs, c'est le truc que j'oublie de mettre partout. Faudra que je mette des bancs. Faudra mettre des bancs. Là, on s'en fout. Ah ouais, j'ai des éoliennes maintenant. Ça doit couvrir plus de zones, non? Un truc comme ça. Ah non. C'est plus petit. C'est nul. C'est peut-être plus discret. Sûrement. C'est sûrement plus discret. Ah, les panneaux solaires par contre. Ah ouais, pareil, la zone des panneaux solaires, elle est rikiki quoi. Faites voir le. Besoin des visiteurs. Oula! Satisfaction. Oula là, ils sont pas contents. Pas trop, hein. Enfin, je les rends un peu plus satisfaits que ça. Éducation, je crois que c'est bien. Normalement, éducation, c'était cool. Impact négatif. Ah bah là, les panneaux solaires, ça a zéro impact négatif. Ah, c'est fantastique ça. Ouais, les éoliennes un petit peu et ça beaucoup. Ouais, voilà. En fait, les panneaux solaires, je peux limite les foutre sur mes bâtiments.
Ça choquera pas en fait. Station des Rangers, ça sera pour ma tailleur. Oui, donc on disait service aux visiteurs, non, éducation. Et ça. Changement du plan. Mais je m'en fous, je veux ça, moi. Ok, voilà. Et ça, on va le mettre genre par ici, c'est pas mal là. Ça attirera du monde par là, là. Clac. Voilà. Et ça, on va mettre donc les lions. Aucun habitat dans lequel lancer la nourriture. Ah, eh oui. C'est trop loin. Si je me mets là. Un habitat dans lequel lancer la nourriture. Mince. Ça c'est dommage. Je pensais qu'ils pourraient quand même l'y jeter d'ici quoi. Bah sinon je pourrais faire une espèce d'avancée là. C'est-à-dire que je fasse une clôture. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Au pire, c'est pas grave. On ne nourrit pas les lions. C'est quand même dangereux de nourrir des lions, hein. Vous voyez pas? Voilà. Bon. Ben, je vais le mettre par là quand même, hein, du coup. Haute-Serre de la Savane, voilà. Note environnementale 0. Je sais pas ce que ça fait ça. Je sais pas du tout ce que ça fait. Alors, par contre, il faut. Je regarderai un peu sur internet. Pas d'électricité pour un service. Ah mince, c'est celui-là, je parie. De toute façon. Eh oui. Eh oui. Donc, on va le mettre ici. On va le mettre là, voilà. Voilà. Bah du coup on mettra peut-être des arbres autour, je sais pas si ça joue. Je ne sais pas. On va le mettre dans la zone de travail. Là, personnel, zone de travail, centre, modifier. Tac. Voilà. Ok, comme ça on est bien. Ah oui, je vous ai pas montré ça là-bas aussi. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai rajouté un vivarium. Parce que j'ai vu qu'il y avait un troisième animal d'Afrique qui avait besoin d'un vivarium. Donc j'ai ajouté un vivarium ici. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai décoré un peu avec des rochers, faire une espèce de petite grotte. J'ai mis quelques distributeurs ici, il faudra peut-être que j'en rajoute par là, du coup on verra. Là j'ai un peu de place pour mettre des choses aussi, je mettrai sûrement quelque chose ici. J'ai mis des toilettes là. Et mon idée après c'est ici de faire une zone avec des singes. J'ai compté qu'il y avait 4 ou 5 espèces de singes d'Afrique qu'on peut mettre. Donc ça pourrait être sympa d'avoir une espèce de petite zone centrale. Avec des boutiques ou des trucs de bouffe et avec un accès direct sur les différents habitats des singes. Toc toc toc, comme ça on pourra en mettre un par là, un peu en longueur comme ça, tac tac tac. Je sais pas trop encore, j'essaie de réfléchir un peu en traçant des trucs mais. Mais c'était pas top, on va en mettre un là ici avec un accès là. Peut-être que faudrait que je décale cette espèce de petite montagne là, que je la décale par ici jusque là, là que je la fasse venir jusque là. Pour que ma pente commence ici. Je pense.
faire quelque chose comme ça. Donc là, il y aurait un autre enclos, là potentiellement un autre, et un autre par là. Avec là une zone de boutique par là. Et j'avais idée aussi de faire ici un truc avec des hippopotames, sûrement. Vu que c'est un animal d'Afrique. Et faire un. Donc là, faire vachement monter le sol ici. Donc là, pour que les gens puissent aller voir les girafes. Et en dessous, il y aurait un espèce de passage avec l'eau au-dessus. Pour que les visiteurs puissent voir les hippopotames dans leur. Dans l'eau, en fait. Donc ça va être un peu compliqué à mettre en place, je pense. Je ferai peut-être ça après, d'ailleurs. On verra. Soit je fais ça ici. Soit je m'attaque aux singes. On verra. On verra les singes, ça peut peut-être amener du monde. Et après, il faudra relier tout ça par là, que ça fasse un circuit en arrondi. J'ai mis une allée de très très large ici aussi. Parce que là, j'ai mis, je sais plus, 6 ou 8 de large. Et je trouve que c'est pas suffisant, surtout ici sur le pont. Surtout ici sur le pont. Voilà. Donc, voilà ce qu'on fera la prochaine fois. Ok. Voilà, tac tac tac. J'ai des animaux qui sont un peu stressés là. Toujours par là, hein, voilà. Toujours dans cette zone-ci. C'est pour ça que je suppose que c'est quand même les visiteurs. Voilà, faudrait que je finisse de décorer là aussi. Les rochers là ici. Il en manque un peu, je sais plus où aussi. Là, il y a que des rochers. Voilà. Ah, là, peut-être un peu. Sinon, cet enclos, je trouve qu'il est. Enfin, de ce côté-ci là, il y a les rochers tout le tour là. Avec des habitats un peu partout. Je trouve qu'on est vraiment bien. Est-ce que j'ai assez d'habitat? Oui, abri solide 100%. Abri solide 93%. Ok, on est bien. Les hippotraques, je crois que c'était les plus pénibles. 91. Ah, ça se fight. Ça se fight chez Springbok. Recherche vétérinaire terminée. Ah oui, il faudra qu'on termine aussi, du coup. L'habitat des lions pour leur mettre des optimisations, tout ça, parce que pour le moment on a mis juste la déco. Voilà, donc on fera ça la prochaine fois. Donc sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Salut à tous, ciao.